Salut à tous, bienvenue. Encore un bon match aujourd'hui. J'espère que vous êtes installés confortablement. C'est donc moi, Hervé Matou, qui vais commenter ce match. Si je vous casse parfois, c'est que vous n'êtes pas bon. C'est une nouvelle affiche de championnat à laquelle nous allons assister avec cette rencontre. On a vraiment hâte que ça commence. Ça ne va plus tarder. Vous avez certainement hâte que le match commence. Moi aussi, pour tout vous dire. Voici la composition de l'équipe locale. Un dispositif tactique qui semble à première vue assez défensif. C'est un 5-4-1, une seule pointe devant. On découvre ensemble la composition de l'équipe visiteuse. La formation retenue est un 5-3-2. On va essayer de maîtriser le ballon au milieu. Le match qui démarre maintenant. La passe est mal assurée. C'est une interception. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Morioka. Si c'est. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. La faute. Attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Ouais, l'arbitre qui sort un carton jaune tôt dans ce match. Une manière également de garder le contrôle sur cette partie. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et à faute, bien sûr. Allez, le ballon qui est dégagé. Et il donne un ballon piqué. Ouais, il est bien placé pour centrer. Ah oui, la bonne passe. Ah, le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. C'est pas parce que l'équipe est à l'extérieur qu'elle va changer son style. Il faut s'attendre à un gros pressing. L'équipe va jouer certainement très haut, aller presser, essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. Et but ! Et oui, but ! L'ouverture du score ici. Voit cette frappe sans contrôle, directe, instinctive, magnifique. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage.
Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Centre peut-être dans l'axe. En prise de volet. Mais pas de problème. Pas de problème pour bloquer ce ballon. Alors que c'était quand même une réelle occasion de but au départ. Ouais, c'est un ballon perdu. Si c'est. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ouais, c'est bien cette talonnade. Ouais, défenseur qui est passé. La bonne lecture du jeu sur cette interception. Ouais, bonne séquence là. Bonne séquence. Ils y croient, l'égalisation. Il est parti trop tôt, dommage. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Si c'est. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Ah, ça joue vraiment très bas. Hein. Ah, ça combine bien, ça circule bien, ça fait courir l'adversaire. Ouais, c'est pour le gardien. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. La passe est interceptée. On s'approche de la zone de vérité. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Morioka. Eh non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. La frappe. Oh, ils ont raté le chaos. Ils ont raté le chaos avec cette occasion. L'occasion de porter l'avance à deux unités, ça change tout. Hein. Allez, il tente la petite passe aérienne. Pas de souci pour le gardien. Chiffres toujours aussi pauvres hein, du côté des attaques. Cette équipe qui n'y arrive pas dans les derniers 30 mètres, ça va être difficile hein, d'égaliser. Allez, il est passé par-dessus. Allez, faut centrer vite. Oh, il fallait pas se louper sur ce geste, bien défendu. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Au centre, il y a du monde. Ballon qui est claqué au-dessus de la barre par le gardien. Le public qui se fait entendre. Et c'est vrai que ce corner, c'est une bonne légalisation.
Le corner en direction du point de pénalty. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Bon, il a fait une bonne première période, je trouve. Bilan satisfaisant sur le plan individuel. Il fait un bon match, un match correct. Il a évidemment permis le but qui permet à son équipe de mener au repos. Cela dit, je pense qu'il en a. Et c'est parti pour la seconde période. Et c'est dévié, dommage pour lui, son tir semblait cadré. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Interception. Morioka. Ouais, très bonne intervention défensive, bien joué de sa part. Ouais, c'est mené en profondeur. L'intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Oh, très bien défendu. La passe aérienne, pas mal. Ah, mais on peut dire que ça a été chaud hein, pour la défense. Alors, des équipes qui sont en train de se réorganiser et qui procèdent à un changement. Cherche la faille dans la défense adverse. Attention! Ah, la défense qui a du mal. Et le but! Et ça fait un de plus au compteur! On voit cette excellente inspiration, ce centre en retrait, toute la défense prise à revers. Et enfin, la puissance qui fait le reste. Bon équilibre sur cette frappe. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Attention, ça peut être dangereux. On va pouvoir centrer. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. En termes de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage. Par hasard, hein, si l'équipe mène au score. Dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse, on sent qu'ils sont capables de faire la différence. Va-t-il parvenir à centrer ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Allez, il y a du monde pour reprendre. Et on a dégagé pour écarter le danger. Sortie de but. Du mouvement au bord de la touche.
Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Il cherche des solutions là. Il choisit la frappe. La frappe, elle est bien partie cette balle, mais c'est trop haut. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui ? Il faut être costaud hein, pour protéger son ballon comme il le fait. Et c'est un corner, hein, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Un corner qui a pour effet de réveiller les supporters. C'est vrai que c'est peut-être l'occasion de combler une partie du retard. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Parfait ce contrôle pour enchaîner peut-être. Guillaume Gillet. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Ça peut devenir dangereux. Allez, le centre maintenant. C'est parti vers le deuxième poteau. Le centre un peu raté. Et le gardien qui s'en saisit tranquillement. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Alors c'est pas du tout cadré, vous l'avez vu. C'est bien de frapper, mais parfois c'est bien de s'abstenir également. Alors qu'on va procéder à un changement. Ah oui, c'est bien fait ça. Ah, et le cadre qui n'est pas trouvé sur cette frappe, qui passe assez largement à côté. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Guillaume Gillet. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. Excellente intervention. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Le public mécontent, bien sûr, de voir son équipe s'incliner à la maison. Ah, l'adversaire a été bon, mais j'ai trouvé l'équipe en dedans quand même. Le score et la manière, ils sont un petit peu inquiétants. Il va falloir travailler.
Il a été plutôt bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe, indéniablement. Bon, il a fait un match assez satisfaisant, je trouve. Il y a ce but marqué, bien sûr. Il y a tout ce qu'il a produit, qui ont contribué à cette victoire. Le match qui démarre maintenant. Ah, c'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ouais, l'arbitre qui sort un carton jaune tôt dans ce match.